c'est Marette du compte Instagram chez Marette. On se retrouve aujourd'hui pour parler couture et c'est mon troisième podcast couture, donc journal de couture. Alors cette semaine, j'ai quelques réalisations à vous montrer, mais j'ai surtout une pile entière de tissus à vous montrer parce que j'ai fait quelques petits achats, j'ai reçu des commandes et je suis allée à des puces de bouturière, vie d'atelier, voilà. Donc il y a des choses, j'ai plein de choses à vous montrer, mais surtout en tissu. Alors, je commence directement d'entrée de jeu avec mes réalisations de ces derniers jours. Donc hier, j'ai fini pour mon chéri un t-shirt M comme matelot, de M comme Marie. Ch'touk, ça va apparaître là. Voilà. Alors c'est un t-shirt vraiment tout simple avec une patte de boutonnage sur l'épaule et puis il y a une version aussi avec une patte polo voilà qui arrive devant, donc ça je pense que je lui en ferai une bientôt. Alors c'est un tissu que j'ai acheté il y a quelques temps déjà et que je lui avais toujours pas fait. Et voilà, donc je me suis motivée, j'avais ce jersey qui me restait. Donc c'est un jersey marinière St. James que ma maman m'avait trouvé sur le marché de Pont-l'Abbé en Bretagne. Voilà, donc elle m'en avait pris et puis bon, je savais pas trop en t-shirt ce que ça donnerait. Finalement, je trouve ça vraiment super chouette. J'ai pas fait de modification majeure. La seule que j'ai fait, c'est que, en fait, au lieu de faire une patte de boutonnage avec des boutonnières et tout ça, comme je savais pas trop ce que ça allait donner mes boutonnières sur mon jersey, que j'avais un peu peur de tout gâcher, j'ai cousu la patte et puis j'ai mis des faux boutons. Mais bon, de toute façon, il peut l'enfiler comme ça, donc ça pose pas de soucis. Et alors, j'étais super contente parce que c'est une des premières fois que je fais un patron homme pour mon chéri, qui ne soit pas trop petit. Parce qu'il faut savoir que Pierre-Yves fait 1m86, et que donc, en général, quand je lui fais un t-shirt, quand il lève les bras, on lui voit la moitié du ventre. Et là, non. Et du coup, c'est parfait. Enfin, j'étais vraiment contente. Donc, voilà, j'en ai d'autres. J'ai prévu de lui en faire d'autres. Et puis, voilà, je me dis que, autant pour moi, je sais que les patrons aiment comme Marie, c'est pas forcément adapté à ma morphologie. Autant pour lui, si ça lui va, je crois que je vais pas trop me poser de questions et voir ce que je peux piocher dedans. Je lui avais pris la chemise, alors je crois que c'est M comme monsieur, Mister, M comme Mister, donc c'était la deuxième version qu'elle avait sortie après toutes les histoires qu'il y a eu il y a quelques années, voilà. Elle est découpée, il faut que je lui fasse maintenant et je vais voir si ça lui va. J'hésiterai pas trop à lui prendre des patrons chez elle parce que c'est vrai que l'offre patron homme est pas non plus hyper étoffée. Et puis la maison Victor, bah moi j'ai quand même, voilà, il est grand et bizarrement, vu que c'est la taille grand chez la maison Victor, j'ai du mal à vraiment lui trouver sa taille, c'est souvent en fait trop large et pas assez long. Et c'est vrai que comme là les vêtements pour hommes de M comme Marie sont quand même assez près du corps et assez fités, je me dis que ça peut peut-être être pas mal. Donc voilà, ma dernière réalisation, puisque je l'ai finie hier soir et je vous ai mis une petite photo sur Instagram et bien ce midi. Donc voilà, il est très content, et moi aussi. Alors, la semaine dernière, je vous avais dit... Enfin, la semaine dernière, dans le dernier podcast, je vous avais dit aussi que j'avais envie de me refaire un perfecto de chez Charlotte Ozou. J'ai le temps... Oula, de le faire. Et je vous avais présenté le tissu dans lequel je le ferai. Donc c'est un molleton un peu French Terry, donc vraiment assez léger, qui est chiné de chez Sweet Mercery et donc à un envers vert comme ça. Alors pas grand chose à dire sur ce patron, c'est vraiment, je crois que c'est le quatrième que je me fais. Et là, la seule différence que j'ai faite, c'est que j'ai pas posé de fermeture. Pour la simple et bonne raison que... Il y a deux bonnes raisons. La première, c'est que j'avais une fermeture et en fait, je me suis rendu compte que c'était une fermeture pas séparable. Donc heureusement, je m'en suis vraiment rendu compte avant de le coudre. Enfin, quand j'ai vu que je pouvais pas l'ouvrir. Voilà. Et puis après j'ai vu aussi que sur mes autres versions, moi j'ai quand même un bassin un peu large,
et un petit peu de ventre. Voilà, et du coup, je peinais un petit peu à le fermer. J'ai dit, bon, quitte à pas bien le fermer, autant ne pas mettre de fermeture éclair. Et j'ai juste mis, en fait, pour le fermer, des petites pressions. Voilà, ce qui me permet de faire un petit effet croisé quand même devant et puis d'avoir le petit col qui retombe. Je vais pas arriver à le remettre. Tac. Et puis j'ai mis les badges que Marie, la fée du fond du bois, m'a envoyé la dernière fois. Voilà, du coup je trouve que ça fait chouette. Le petit truc que j'ai fait aussi, vous allez voir, je vais l'ouvrir. Vous allez dire, elle s'est pas vraiment embêtée. J'ai tout fait à la surjeteuse et j'ai pas mis un joli biais voilà, sur les bords de ma parementure. Hein, j'ai vraiment fait à la surjeteuse. Et puis après j'ai recousu le long de la parenture. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on voit en fait le trait de couture là, qui est gris dedans. Donc ça ne se voit pas trop, hein, c'est dans le chiné. Mais en fait j'aime bien aussi voilà, l'idée de cette petite découpe là, cette petite couture, on le voit aussi dans le dos, voilà, qui vient un peu voilà, faire une petite surpiqûre décorative. Je trouve ça assez sympa. Et ben je l'ai pas mal mis déjà, voilà, au cours de cette semaine et de la semaine dernière. Je ne l'ai pas encore mis sur Instagram, mais ça ne saurait tarder. Voilà, mon petit perfecto. Je l'aime beaucoup. Je vous dis que j'avais pas beaucoup de réalisations. Je vais vous montrer mes dernières... Les dernières. Alors, c'est un peu dans les restes, hein, vous allez reconnaître. En fait, le baptême de mon neveu dans quelques semaines. Et du coup, j'avais envie de lui faire des petits vêtements. Alors, je lui ai fait... Voilà, un petit gilet comme ça. Vous reconnaissez le jersey, c'est le même que celui que j'ai utilisé pour Pierre-Yves. Et voilà, un petit sweat que j'avais trouvé sur le marché, qui est assez léger. Donc, pour ce patron, je suis partie de la veste fine. Donc, veste pour bébé qui est dans la maison Victor, novembre-décembre 2016. Et qui, normalement, fait un petit croisé comme ça. Mais en fait, au moment de découper mon jersey, je l'ai fait avec ma belle-mère et on s'est trompé dans le sens, tout ça. Donc, j'ai tout redécoupé pour faire un petit gilet. Et puis, je me suis dit, voilà, comme du coup, le haut est arrondi, ça a tombé, je pouvais pas mettre de pression là. Et là, il faut que je fasse deux petits points et que ça fait comme une petite veste toute mignonne, voilà. Ce que j'aime bien, c'est que c'est entièrement doublé. Là-dessus, je trouve ça super parce que du coup ça fait une couture, ça fait super propre et c'est presque réversible du coup. C'est réversible, voilà, avec les pressions. Hop, tac, la belle-sœur pourra le mettre dans le sens qu'elle veut. Donc voilà, je trouve ça assez sympa aussi d'avoir ce petit côté versatile, voilà, pour mettre ça un petit peu comme on veut. Voilà, et puis j'ai pas mal de petites coutures de bébé à faire là, donc je me dis je vais exploiter ce patron à fond parce que il est chouette et assez pratique à faire soit avec des matières un peu légères pour les beaux jours, soit avec des choses vraiment doudou quand c'est l'hiver et qu'il faut avoir chaud. Donc ça oui, c'est le petit cardigan fine de la maison Victor. Et donc avec mes restes, je lui ai fait des petits snoods. Alors celui-là, je pense qu'il est vraiment grand, ça sera pour vraiment plus tard. Donc ça, c'est avec le reste de mon petit perfecto. Et puis dedans, c'est une popeline petit pan avec lequel je lui avais fait des petits fanions pour mettre dans sa chambre. Et je dois mettre avec... Il est là-bas, je vais le chercher. Hop. Je vais voir avec ma belle-sœur où est-ce qu'on le place. Sachant que là, je pense que celui-là, il est vraiment grand. Je me suis un peu ratée. Et je mettrai... Voilà, un petit bouton en bois artisanal à mettre comme ça et accrocher avec le petit élastique. Alors le petit élastique, c'est un élastique à cheveux que j'ai pris dans la couture. Voilà, pour avoir un petit élastique fantasy qui aille bien avec le reste. Donc voilà, mais ça je pense que c'est vraiment vraiment grand pour lui. Et je pense que cette version est beaucoup plus adaptée à son petit cou. Voilà, donc là, je sais pas si vous reconnaissez, c'est le jersey marinière de ma veste blanche que je vous ai montré dans le premier podcast. Et dans celui-là, ce jersey ocre avec des petits oiseaux, j'ai fait une robe de chez Nanou. Alors c'est laquelle? C'est Ilona Dress. Voilà, je l'ai faite cet été, vous pouvez la retrouver sur mon compte Instagram. Ça va s'afficher là.
Et puis pareil, j'ai pas encore posé l'eau de pression parce que je vais voir sur lui où est-ce qu'on le pose pour protéger son petit cou. Voilà, son petit cou du petit bébé. Donc voilà, pour mes réalisations, pour les réalisations que j'ai à vous montrer cette fois-ci. Alors, comme je vous le disais, j'ai reçu plein de commandes, j'ai acheté pas mal de tissus. Soit parce que c'était des occasions, voilà, puis je voulais tester des petites choses. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et puis vous dire quelles idées j'ai, pardon. Sachant que rien n'est vraiment fixé encore et que bon bah voilà, des fois j'ai des idées puis en fait au dernier moment je pars complètement sur autre chose. Mais bah voilà, c'est les joies de la création. Alors, les premiers tissus que je vais vous montrer, c'est des tissus que j'ai achetés dimanche à... Il y avait des puces de couturière à côté de Chambord, auxquelles j'ai participé, j'ai vendu des petites choses, puis bien sûr, j'en ai acheté d'autres. Alors, ça, en fait, c'est une dame qui me l'a donné, donc je vous en parlerai tout à l'heure, parce qu'elle me l'a donné avec d'autres choses. Alors, le premier que je vais vous montrer, c'était sur un stand où c'était quelqu'un qui avait travaillé dans une manufacture de lingerie, qui avait récupéré plein de choses. Alors, il y avait des très très belles dentelles, des très beaux... vraiment des très beaux tissus. Voilà, ça c'est une maille lycra, donc qui peut servir, je pense, pour des maillots de bain. Alors, je sais pas si vous voyez, je la déplie. En fait, c'est des motifs répétés. Et je pense que ça sert pour des bonnets de soutien-gorge. Donc voilà, je le trouvais assez joli pour de la lingerie et je me suis dit que le jour où je voudrais me lancer à faire un soutien-gorge, c'est pas tout de suite, mais que voilà, ça pourrait faire un joli ensemble avec une culotte dans ce motif là aussi. Et puis j'avais pris, je l'ai pas sorti là, un petit élastique avec des festons qui est vraiment de du violet là, des petits motifs. Donc voilà, il y en a pas mal, donc je pense que si je trouve un patron de soutif qui me va, et ben je vais produire à la chaîne. Voilà, où... après je me disais maillot de bain, mais il est un peu léger et transparent quand même pour faire un maillot de bain. Ou un petit caraco, pourquoi pas, un petit caraco à mettre en dessous. Après il faut voir si ça va pas faire trop d'électricité statique, parce que souvent ces matières-là, quand on les met sous des cotons, ça a tendance à emmener le tissu par-dessus avec. Donc voilà, ma première trouvaille. Ensuite, sur un stand, j'ai trouvé, je pense que c'est une polyamide, mais ça ressemble un peu à de la soie, c'est un toucher hyper fluide. Voilà, donc rose framboise comme ça, avec des tout petits motifs, des petits trèfles. J'ai vraiment craqué dessus, il y en a 1,50 m et j'ai payé ça 2 € à peine. Voilà, et... alors je dis tout le temps voilà, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire qu'en effet je disais tout le temps voilà. Donc c'est au choix, soit je dis voilà, soit je dis du coup. J'alterne un peu mais ça va venir. Voilà, voilà. Donc dans celui-là j'avais envie de me faire un chemisier. Voilà, une chemise assez simple. J'ai pas encore trouvé le patron, donc je vous dirai ça quand j'aurai fouillé et trouvé le patron que je veux faire. Celui-là, je l'ai acheté à ma copine Nina, parce que du coup on était à côté au puces de couturier, on était installés à côté, donc on s'est échangé des trucs avant que ça ouvre. Je sais pas encore ce que je vais faire dedans, peut-être une robe. C'est une popeline, un coton qui est assez raide. Il est pas épais du tout et il est même un peu... ah non, il est pas stretch. Non, bon, il est pas stretch. Mais il est assez fin, mais il a pas un tombé fluide. Donc je sais pas, une jupe, une robe, je vais chercher ce que je peux faire dedans, mais je trouve que voilà, pour l'hiver c'est vraiment les couleurs que j'aime porter. Donc à voir. Et puis j'ai encore pris à Nina un tartan, donc c'est une flanelle qui est assez fine. Je cherche depuis quelques semaines déjà vraiment des motifs écossais comme ça. Et j'avais envie de me faire une robe liquette dedans et je pensais du coup à un patron que j'ai là, voilà, hop, il va apparaître là en beaucoup plus gros pour que vous le voyez bien avec le dessin technique. Donc c'est un McCall's, le M6520, pardon, une robe
Ce qui m'embête, c'est que je ne l'ai pas testé, donc je pense qu'il faut que je le teste avant pour voir vraiment comment ça tombe. Donc l'envie d'une robe comme ça, elle est née, il y a sur Instagram Camille Moon Couture qui s'est fait une robe à carreaux comme ça à partir d'une blouse carme de Pauline Alice et c'est vraiment super chouette. Donc je pense que soit je vais partir de carme et l'allonger, soit je vais tester ce patron là qui est vraiment boutonné jusqu'en bas. Je sais pas encore, mais je sais que j'ai envie de me faire une robe et comme il y a beaucoup de tissus, hein, je crois qu'il y a 3 mètres, ça se trouve, je vais pouvoir me faire une robe et une chemise. Mais bah, je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt de faire une robe et une chemise, je porterai l'un ou l'autre, donc ça sert peut-être à rien. À réfléchir donc. Alors ensuite, j'ai trouvé sur un stand aussi une dame qui vendait du tissu molletonné. Donc voilà, déjà, alors il est un peu déteint celui-là. Déjà molletonné, c'est des vieux tissus, hein, c'est vraiment vintage à souhait. Vendait vraiment ça pas cher du tout et je me suis dit que pour faire des cadeaux de bébé, ça serait vraiment super et que j'aurais pas à passer par l'étape très fastidieuse du molletonnage. Et dans celui-là, j'ai vraiment envie de me faire une petite besace. C'est vraiment les couleurs que j'aime porter. En plus, ce petit côté molletonné, vraiment, j'adore. Donc, ouais, peut-être une petite besace. Et j'ai acheté, il n'y a pas longtemps, sur Makerist, le patron du sac Léon de Petit Patron. Dont je vous conseille les podcasts aussi, elle est très rigolote. J'aime bien sa personnalité. Du coup, et je pense que je vais me faire un sac là-dedans et pour pouvoir le prendre l'hiver, je l'imperméabiliserai. Soit je me fais une besace, sinon je me disais peut-être un caban. Voyez, j'ai encore plein de choses à réfléchir et du coup ça met plein de projets en tête. Très bien. Alors, mes molletonnés et avec, du coup la dame elle avait plein de dentelles. Une petite dentelle de Calais, et elle m'a dit de me servir, donc j'ai pris la plus jolie du sac. J'en ai des kilomètres, voilà. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, je sais pas si j'en ferai quelque chose un jour, mais je me dis pour des petits empiècements, ça peut vraiment être super mignon. Tac, je remballe ça. Alors, ensuite, dimanche dernier, nous sommes passés au marché à Blois. Et donc, alors, il y avait qu'un seul vendeur de tissus. Il n'y avait pas celui qui a les jolies viscoses trop belles, pas cher du tout. Il y avait l'autre, mais bon, qui a des jolies choses aussi. Et alors, j'ai trouvé ce jean à pois, qui est assez épais, qui était à 3 euros le mètre. J'en ai pris 1m50 et alors j'ai très envie dedans de me faire une robe salopette. Du coup j'ai commencé à regarder un peu sur internet des robes salopettes. Alors j'ai vu le patron Cléo de chez Tilly and the Button. Mais j'en ai pas vu beaucoup d'autres. Si j'ai vu... ah mince, j'ai mangé son nom. Je vous le mettrai. De chez Jennifer Lawrence Vintage, elle a fait aussi une robe salopette, mais enfin qui est plutôt une robe chasuble en fait. Et j'aime quand même, moi j'ai vraiment envie d'avoir cet esprit salopette. Du coup si vous avez des modèles à me suggérer, sinon je pense que je partirai sur Cléo, j'aime vraiment bien. Puis le côté en fait c'est ce que j'aimais pas au début et c'est ce que j'aime bien maintenant, le côté une seule pièce. Voilà, du coup ça en fait une pièce hyper simple à coudre. Donc je pense que je vais craquer pour celui-là et que ça peut être une super pièce à mettre tout l'hiver avec des petits t-shirts en dessous, ça peut être vraiment super. Donc voilà, en tout cas j'adore ce jean, je le trouve vraiment très beau. Et comme il n'est pas stretch du tout et épais, c'est vrai que je ne me voyais pas en faire un pantalon. Donc une robe salopette. Ma pile devient un peu dangereuse derrière. Et puis j'avais acheté ça, c'est un jersey Milano. Et j'étais toujours en quête de mon fameux jersey pour mettre avec mes cerises pour pouvoir faire ma robe givre de chez Direndu. Et horreur, en rentrant à la maison, ça n'allait pas du tout avec. Bon, ce n'est pas grave.
J'ai dû remballer tous mes petits trucs. Et puis voilà, donc j'ai un jersey Milano. Il n'est pas hyper extensible, mais je trouverais bien toujours quelque chose à faire dedans. Soit une petite jupe, soit une robe, soit voilà. Il est épais, je me dis voilà, pour l'hiver, ça va être super pour faire un petit quelque chose. Donc ça, c'est le marché. Et puis je voulais aussi vous parler d'une commande que j'ai reçue ce midi. J'ai une mèche, il fait n'importe quoi. Bref, voilà. J'ai commandé dans un magasin que je voulais tester depuis longtemps, qui s'appelle Driessenstoffen. Voilà. Je ne parle pas un mot de... Je ne suis pas du tout germanophile, donc voilà. Et alors du coup, c'est néerlandais. Voilà. Et la particularité de Driessenstoffen, c'est que quand on va sur leur site, où tout est en néerlandais, hein, voilà, donc il faut avoir Google Traduction juste à côté, ils vous proposent comme catégorie des tissus à 1€, 2€, 3€, 4€, ça va jusqu'à 6€ le mètre, dans lesquels il y a des choses plutôt chouettes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment ces tissus-là qui sont pas chers du tout, on va être très peu sur du coton, voilà, sur des matières naturelles, mais vraiment sur des matières synthétiques. Mais pour ceux qui aiment ça, il y a vraiment des belles choses, et notamment il y a des très belles mailles. Je crois que c'est la fille de l'intersaison qui a mis une story il n'y a pas longtemps sur Instagram où elle a présenté la commande qu'elle a faite, et notamment avec des mailles vraiment sympas, voilà. Dessus. Et à côté de ça, ils ont aussi toute une gamme de basiques où ils ont un panel de couleurs plutôt sympa, et notamment des jerseys. Alors ils en ont de toutes sortes, ils ont des bord-côtes unis, des bord-côtes à rayures, des bord-côtes à étoiles, des bord-côtes à pois. Non, peut-être pas à pois. Il y a du jersey coton, du jersey viscose, du jersey fin, du jersey un peu épais, du sweat, du French terry, du sweat plus épais, du sweat jogging, du sweat alpine, enfin bon, voilà. Et du coup, c'est décliné toujours avec leurs couleurs de base. Du coup, quand on cherche des choses vraiment pour faire des basiques, c'est super. Et donc, je vais vous présenter la commande que j'ai reçue ce midi. Alors, je vais commencer par deux tissus qui étaient dans les choses pas chères. Mais du coup, je suis un peu déçue, c'est pas trop ce que j'attendais. Bon, je trouverais bien quelque chose à en faire. Alors le premier, c'était toujours dans mon obsession de trouver un tartan. Donc celui-là est bleu et gris avec un petit peu de jaune. Après, moi je m'attendais pas à ce que ça soit vraiment une matière, c'est pas du tout du coton, hein, c'est hyper synthétique. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je me dis pour peut-être une doublure de manteau, ça peut être pas mal parce que ça doit plutôt bien glisser. En fait, je me disais, sinon j'en ferais un pyjama, mais non, c'est trop synthétique pour faire un pyjama. Je trouverais bien. Et si je trouve pas, eh ben c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, celui-là, c'était aussi mon obsession tartan. Alors, pour le coup, c'est vraiment du coton, hein, et qui est très agréable, mais qui est un peu moche. Enfin, moi, je le trouve, voilà, je m'attendais pas à ça. Je le trouve pas génial, mais en fait, je vais me faire un pyjama dedans. Voilà. Ça sera parfait pour un pyjama. En plus, comme c'est un pyjama, eh ben, je vais juste m'en foutre complètement de faire des raccords ou pas de raccords. Donc toi, tu seras un petit pyjama. Et ensuite, je passe à la partie de la commande que j'adore. J'ai commandé des jerseys parce que j'en avais plus beaucoup dans mon stock. Et là, pardon. J'ai besoin de me refaire des basiques pour moi, pour Pierre-Yves. Alors, j'ai pris 50 cm de bord-côte. Alors, figurez-vous que je n'ai jamais travaillé avec du bord-côte encore. Voilà, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. En plus, ce rose, je trouve ça vraiment super mimi. Et puis, je vous disais, j'ai des cadeaux d'enfants et de bébés à faire là dans pas très longtemps. Donc, ça sera parfait pour tester ça. Petit bord-côte. Alors je pense pas qu'il soit en coton, hein. J'ai pas l'impression, c'est pas le toucher d'un jersey coton. Mais c'est vraiment une maille et j'aime, voilà, c'est une couleur que j'aime bien. Alors celui-là, c'est un jersey que j'ai repris, j'ai pas pris dans les basiques,
mais que j'ai pris, je crois qu'il était à 3 € le mètre. Donc c'est un petit, une petite maille, un petit jersey qui est assez fin. On peut voir, voilà, on voit à travers, c'est assez fin et qui a un peu un effet froissé, qui est tout léger. Et dans celui-là, je sais déjà ce que je vais faire. Je vais faire un Basic 3 de la jolie girafe, donc sa marque de patron, on dirait des vrais. Je vais mettre un petit dessin technique par ici. Voilà, mon chéri, merci. Il met des petits dessins techniques quand je pointe du doigt comme ça. Et je vais faire donc la version manche 3 quarts avec le col boule. Et voilà, pour l'hiver, là, je me demande si je vais même pas faire des manches longues carrément, parce que je commence déjà à avoir froid. Donc, celui-là, c'est acté, je ferai un Basic 3 à col et à manches longues. Version top, pas version robe, parce qu'il est un peu trop sport. Alors, ensuite, j'ai commandé, donc je vous disais, du jersey basique basique pour faire du basique basique. Alors, ce jersey, il est en largeur 160, ce qui est agréable à noter. Donc je n'en ai pris que 1 mètre à chaque fois, sachant que le mètre était à 6 €. À ce prix-là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre au niveau qualité. Et alors je dois dire que je suis pas déçue, quoi. Il est assez épais, il a une belle élasticité et une belle tension, les couleurs sont super belles, et puis surtout il est pas imprimé quoi, il est tissé des deux côtés. Et je suis juste hyper contente de mes jerseys. En plus, vraiment je pense que pour moi là, un plantain, mais j'en ai besoin il va vraiment m'en rester à chaque fois, même si c'est en 1 mètre, parce que je peux mettre les deux sur la largeur et même, je pense, peut-être entrecaler un bout de la manche entre les deux. Donc ça va être parfait, je vais avoir plein de petits restes pour faire des culottes, des chaussettes, des cadeaux. Génial. Alors, j'en ai pris un pétrole. J'espère que les couleurs rendent bien, parce que c'est vraiment une très très jolie couleur. Donc dans ce pétrole-là, je vais me faire un plantain. J'en porte un là ce soir qui commence à donner des petits signes de faiblesse. Donc voilà, dans celui-là, je vais faire un plantain. C'est vraiment le t-shirt que je mets tout l'hiver, donc je me pose pas trop de questions. Regardez-moi ce petit bordeaux. Regardez-moi ce petit bordeaux comme il va bien avec mon petit tricot à cerises de chez Mondial Tissu. Voilà, voilà. Donc là-dedans, je vais faire une robe givre avec l'empiècement bordeaux et puis le bas de la robe avec mes petites cerises. J'ai hyper hâte de le faire. Et si je me débrouille bien, peut-être que j'aurai la place de faire encore un plantain dans celui-là. Alors celui-là, kaki, moi je le voyais vraiment plus vermousse que kaki, mais il plaît bien à Pierre-Yves, alors je vais lui faire la deuxième version du patron M comme matelot avec la pâte polo devant. Voilà, donc je vais lui faire ça dans celui-là. Du bleu marine, parce qu'en fait j'avais envie de me faire une robe givre avec le haut rose et le bas bleu marine. Voilà, parce que ceux qui me connaissent un petit peu et qui me suivent savent que j'adore cette association de couleurs. Voilà, et puis bah, de toute façon, après, il restera bleu marine, je me dis, bon, bah, j'en ai déjà un, même s'il commence à vieillir un peu, mais voilà, c'est vraiment des couleurs de jersey basiques qui peuvent servir à plein de trucs, et je suis très contente de la qualité du tissu. Et le dernier tissu que j'ai pris chez eux, c'est du soft shell, voilà. C'est, vous savez, ce tissu qui est pour faire des manteaux, et qui est imperméable à l'extérieur et polaire doudou à l'intérieur. Voilà, ça. Bon, en fait, il n'y avait plus de place sur la carte pour la fin de la vidéo, parce que mon chéri m'avait pas dit que c'était limité, et puis après j'ai refait, mais au lieu d'appuyer sur le bouton pour enregistrer, du coup ça a arrêté. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Je vous disais, je vais faire un manteau dans le dernier tissu que je vous ai montré.